Gouvernorat militaire de la place de Libreville, le nouveau patron des lieux est le général de brigade Sipamioubert Jean-Claude Régis. Il succède au général de brigade Jude Rapochambo. La passation de charge a été faite ce jeudi 10 février par le secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale, le général de brigade aérienne Félicien Coy, qui a aussitôt installé le nouveau gouverneur militaire de la place de Libreville dans ses nouvelles fonctions. Mon général, je vous installe dans vos nouvelles fonctions de gouverneur militaire de la place de Libreville. Je voudrais, à l'issue de mon installation, remercier très respectueusement Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, qui a bien voulu me nommer à ses hautes fonctions militaires sur proposition du ministre de la Défense nationale. Fonction que je me dois, en ma qualité de chef militaire, d'assumer avec la plus grande abnégation. Après 2 ans passés à la tête du gouvernorat militaire, et au moment où je vais rejoindre donc le cabinet du ministre de la Défense, je tenais à exprimer ma gratitude au chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, pour m'avoir permis d'assumer tout au long de mon parcours des fonctions exaltantes. Donc je voudrais vraiment dire merci. Merci et je me mets toujours au service de mon pays. Notons que le gouvernorat militaire de Libreville a pour mission l'amélioration de l'image de marque des forces de défense et de sécurité, notamment dans le domaine de la discipline militaire. En temps de crise, sur réquisition, il sert à déterminer également les responsables de la sécurité publique, les modalités de participation des forces de défense aux opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre.